Les Marseillais dans le cross, incident sur le un candidat évoque quelque chose de grave. Aussitôt l'émission Les 50 terminée que la chaîne W9 a lancé son programme devenu phare. Le cross, avec les années les Marseillais vs le reste du monde. Mais cette fois, c'est une bataille un peu particulière qui est proposée chaque soir aux téléspectateurs puisque l'équipe des motivés s'y est rajoutée. En effet, portée par Christophe et composée de ses camarades Ch'ti, elle vise désormais à son tour la coupe. Au casting, on retrouve également les anciens et certains des plus emblématiques candidats. Notamment au sein des Marseillais, comme Julien Tanti, Greg Yoga ou encore Maëva Guénam. L'ex de cette dernière, Andy, a d'ailleurs fait son retour dans la famille des fratés après avoir été révélé dans la dernière saison des Marseillais tournée au Mexique. Il n'aura malheureusement pas fait long feu dans l'aventure. En effet, au bout de quelques jours seulement, Andy s'est retrouvé éliminé de son plein gré. Lors d'une interview pour Gossip Room, il explique que cela est le résultat d'un incident survenu sur le tournage. Style Diva place Holdé à 1 et à 1, 8-300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8-990px, Diva. A place Holdé à 1 et à 1, 8-620px, minimum et 350px, Style. C'est vrai que moi, j'étais en concurrence avec Nicolo, Greg et Alan. Donc j'avais tellement d'ennemis dans cette ville-là. J'ai décidé de prendre les devants et de m'éliminer parce qu'il s'est passé quelque chose de grave sur ce tournage. A-t-il confié, précisant s'être blessé à cause du champignon magique que tous les candidats doivent presser au retentissement de la musique du générique. Dans leur empressement, il n'est pas rare d'assister à quelques chutes, comme à celle de Thibaut Garcia l'an passé. Andy avait donc dû se faire ausculter par un médecin. Si rien de bien méchant ne lui est arrivé. Il se voyait déjà forfait pour le reste de la compétition. Je me suis senti un peu en incapacité par rapport à mon début d'aventure. Je me suis senti beaucoup plus faible, je n'allais pas servir à grand chose. A-t-il reconnu. Aucun regret néanmoins pour le jeune homme qui craignait des conflits avec sa famille des Marseillais s'il se maintenait dans le jeu. Je ne voulais pas me retrouver face à ma famille, pas comme ça, et j'ai eu raison de le faire. Parce qu'au final, me mettre tout le monde à dos, ce n'était pas possible. À ce jour. Je m'entends bien avec tout le monde, sauf le rival Greg, a-t-il conclu.